Bonjour. Alors vous aussi, je vous remercie d'avoir signé la charte. En plus, vous l'avez signée après l'élection, donc on ne peut pas vous accuser d'avoir signé la charte uniquement pour des raisons bassement électoralistes, contrairement à d'autres, hein, parce qu'on a, on a quelques signataires qui ne respectent pas la charte, hein, on leur envoie des mises en demeure, comme à Montreuil, Bobigny, Passy, pour ne pas les citer. Donc à l'inverse, quand on a des signataires après l'élection, au moins on est un peu sûr de leur sincérité, parce que c'est quand même que des contraintes à la charte anticorps, donc si, on est pas, si l'élection est passée, généralement on est moins tenté de la signer. Donc même question, vous aussi vous avez un feu vert, donc globalement on ne va pas vous faire de reproches. Alors quelles difficultés vous avez eues et quels résultats vous commencez à obtenir ? Alors moi, si vous permettez, je n'avais pas forcément envie de parler de l'expérience depuis un an concrète en matière d'application de la charte, mais plutôt de ce qui a motivé le fait que je l'ai signée postérieurement ou pas à l'élection, peu importe, mais ce qui m'a conduit à la signer. Et pour ça, j'ai voulu être précis, donc je me suis permis d'écrire quelques mots. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors, je fais partie des maires signataires, effectivement, parce que je pense que cette charte fait partie des outils qui sont concrètement à la disposition des élus pour permettre le rétablissement de la confiance dont parlait Eric tout à l'heure à l'endroit de la politique en général et des élus en particulier. Alors la politique au sens grec des affaires de la ville, c'est une nécessité absolue d'organiser la vie de la cité autour de besoins privés, de besoins publics, personnels et collectifs. Les affaires de la ville, c'est donc penser, agir sur le cadre de vie, la qualité de vie. C'est prendre en compte les problématiques de santé, de vieillissement des populations. C'est aussi créer des liens entre les associations, développer des solidarités au sein des quartiers, notamment par le tissu associatif qu'il faut nourrir. Et c'est permettre aux écoles, et aux lieux culturels et sportifs de constituer des formes de ce que j'appellerais des passerelles citoyennes à la fois dans le temps et dans l'espace. Et c'est bien autour de ces missions que chaque candidat à une élection, me semble-t-il, devrait se positionner, projeter une vision à la fois personnelle et collective, et que chaque élu devrait ensuite ambitionner de réaliser chaque seconde à l'échelle de son mandat en se posant les questions suivantes. Où en suis-je de ces objectifs? Est-ce que j'ai dévié de ma ligne? Est-ce que mon éthique personnelle a bougé? Est-ce que mon ambition personnelle, bien que légitime, ne prendrait pas par hasard le pas sur l'ambition collective qui motivait pourtant ma candidature initialement? La loi, à mon sens, moi qui suis légaliste, constitue en ce sens le cadre général, l'outil républicain qui permet d'organiser concrètement l'action publique, encadrant droits et devoirs à travers un certain nombre de codes, ces lois étant naturellement sous-tendues par un ensemble de valeurs humanistes, je l'espère en tout cas, telles que, pour la France en tout cas, l'égalité, la fraternité, la laïcité, la solidarité et la liberté, chères à tous. L'élu, pour moi, se met donc au service à la fois d'une ambition collective, mais aussi d'une ambition républicaine, res publica, la chose publique, à travers le prisme législatif en tant que moyen d'application. Et par essence, l'homme ou la femme politique est, comme tout un chacun, inscrit dans un champ affectif et collectif, dans une histoire qui lui est propre, en tout cas subjective, et qui colore nécessairement ce qu'il entend décliner ensuite pour autrui, pour la collectivité qu'il a élue, en termes de projets et actions concrètes au service du plus grand nombre. Et je constate, comme vous, une défiance grandissante à l'égard des femmes et des hommes politiques, mais aussi à l'égard des partis politiques, pour au moins trois raisons. Je pense tout d'abord, première raison, que les Français sont, de par l'augmentation du niveau général d'éducation, grâce aux journalistes peut-être aussi, moins dupes de la rhétorique, mieux formés et mieux informés, ou déformés d'ailleurs par Internet, en tout cas mieux armés pour élaborer par eux-mêmes leur propre vision du monde, et donc de la politique au sens des affaires de leur ville. Le discours creux, inauthentique et la fameuse langue de bois, empesée, dont l'usage était constant il y a quelques années, tente aujourd'hui à être très vite démasqué par l'électorat et donc par les citoyens. Deuxième motif, c'est l'échec vérifié de la réponse politique face aux grands fléaux nationaux, le chômage, réindustrialisation, la fiscalité, les réponses sur la mondialisation, la perte des repères, etc., et qui place les électeurs dans un désarroi profond et qui se transforme en défiance, non pour la chose publique, mais sur la capacité des femmes et des hommes politiques à changer, un tant soit peu, le cours de leur quotidien. Et je pense que cette défiance envers les élus migre désormais vers une méfiance grandissante vis-à-vis des partis politiques eux-mêmes. Jusqu'à une période récente, nous pensions tous que l'alternance gauche-droite était sans doute un ressort de la stabilité démocratique, donc un gage de transparence justement, et donc de crédibilité. On tenait les extrêmes et le populisme à l'écart parce que
les deux grands partis étaient suffisamment polarisants idéologiquement pour maintenir un balancier électoral alternatif, donc crédible, d'une élection sur l'autre. Et ce n'est plus le cas, parce qu'au plan national comme au plan local, les élus doivent organiser les vecteurs du vivre ensemble, que sont les solidarités et la croissance économique et l'emploi, les uns n'allant pas sans les autres. Troisième élément de défiance, il va de soi, et c'est pour ça qu'on est là, que les affaires de corruption, détournement, conflits d'intérêts, prises illégales d'intérêts et petits arrangements entre amis viennent ternir l'image des élus, naturellement, censés incarner les valeurs de la République évoquées précédemment, et emportent les derniers sceptiques vers l'abstention, le rejet de la classe politique tout entière, ou pire, vers le vote extrême, qui n'est finalement qu'un leurre, électif. Alors quelles sont les réponses concrètes à ces constats? Et j'en viens au sujet, finalement. Je pense qu'il faut rétablir à la fois la confiance et la crédibilité, non pas dans le système, non pas envers les partis politiques, non pas envers les élus, à mon avis c'est trop tard, mais par le simple fait que ce système, ce parti ou cet élu démontre enfin sa capacité à agir concrètement et positivement dans le quotidien des citoyens et non pas avec de la rhétorique. Nous les élus, nous devons produire cette démonstration à chaque seconde de notre mandat. Et je suis convaincu que cette démonstration ne peut s'exercer que par la transparence et la visibilité dans les processus décisionnels qui président à toutes les actions publiques. Or, concrétiser cette transparence suppose que les élus soient conscients qu'elle exige d'eux une éthique personnelle et ensuite collective. Alors, une des pistes du rétablissement de la confiance dont je parle, née de la transparence, consisterait, me semble-t-il, à s'affranchir au moins de temps en temps du modèle dit du parti politique tel qu'on l'a connu jusqu'à présent, ce n'est pas péjoratif, hein, pour repenser la démocratie citoyenne qui, entre parenthèses, est fortement évoquée par la charte, mais dans sa fonction opérationnelle, strictement. On voit par exemple fleurir ici et là des élus citoyens, des maires citoyens, des élus ayant, étant là avant tout pour leurs compétences et pour leur implication dans la vie de la cité, notamment au plan associatif. Il n'y a jamais eu autant de listes sans étiquette qu'au municipal de 2014, et Philippe Sorel, ici présent, en est une belle illustration. Et nous également, à plus petite échelle, puisqu'à Juvignac, nous sommes sans étiquette. J'ai un tiers de personnes à gauche, un tiers au centre, un tiers à droite, et on ne s'engage jamais pour des raisons idéologiques, toujours pour des raisons de projet. Et pour moi, qui n'ai jamais appartenu à un parti politique, être sans étiquette signifie non pas être apolitique, puisque nous faisons de la politique, non pas être sans valeur, car nous plaçons l'humain au cœur de nos réflexions, évidemment, mais parce que nous nous situons en dehors d'un cadre de pensée venu de l'extérieur et qui serait en quelque sorte superposé sur un territoire où les citoyens nous ont élus. Ce schéma de liste citoyenne est forcément reproductible, même s'il n'est pas si facile de passer du stade du parti politique que nous connaissons à celui de la constellation de citoyens, et peut-être Philippe Sorel vous en parlera. Il en va de cette constellation en réseau comme, à mon avis, du mode de partage de l'information. Quand il y avait 4 ou 5 chaînes de télévision, l'information transitait verticalement de ces 5 chaînes jusqu'à vous. Aujourd'hui, l'information en réseau circule de manière horizontale. Et pourquoi pas en politique? Faire vivre la démocratie participative, c'est encourager les habitants à co-construire leur ville. Parce que s'il n'y a plus d'État-providence, il n'y a pas non plus de mairie-providence, c'est terminé. À Juvignac, concrètement, nous avons créé pour cela des comités citoyens composés d'habitants tirés au sort. On a fait comme à Montpellier. J'ai pas voulu qu'ils travaillent pour le maire. Et nous travaillons en réseau avec des associations qui ont des compétences réelles en matière d'urbanisme, d'environnement, de projets pour les jeunes, etc. Autre piste, et j'en termine, la charte anticorps qui nous rassemble ce soir autour du non-cumul des mandats, d'identification des conflits d'intérêts, transparence et reconnaissance des élus de l'opposition dont j'ai fait partie de 2008 à 2014, et de participation citoyenne. Il me semble que les engagements proposés par la charte sont l'expression plus ou moins explicite de cette volonté d'un retour de la confiance des citoyens envers leurs élus. C'est ce qui fait sa force. Et c'est pourquoi je l'ai signé sans hésitation. Je vous remercie de votre attention. Alors, merci tout d'abord d'avoir réhabilité le mot politique, parce que j'entends souvent des gens dire « je suis apolitique », ce qui me fait hurler, parce que la politique, c'est l'art de vivre ensemble, c'est pas un gros mot. C'est pas honteux de dire qu'on fait de la politique. Au contraire, le problème, je crois, en France, c'est qu'on ne fait pas assez de politique. Il y a trop de gens qui n'en font pas et qui laissent trop de gens en faire mal. Et le mot apolitique, c'est une hérésie. Hein. C'est vraiment quelque chose de tout à fait noble.
Eh bien écoutez, je voulais juste vous poser une question par rapport aux partis politiques. Je vous semble assez critique, mais je comprends qu'on puisse s'extraire des partis dans le cadre des élections municipales. Est-ce que, d'après vous, pour les autres élections départementales, régionales, c'est possible de faire de la politique sans étiquette, surtout dans les grandes villes ? Alors moi, je pense qu'on est dans une phase de mutation. En fait, on a connu depuis l'après-guerre des situations qui font que structurellement, la société avait besoin de partis politiques tels qu'on les connaît et dans la façon dont ils fonctionnaient pour asseoir des, on va dire, non pas des idéologies, mais des périmètres de mission qui permettaient à la société de mieux vivre ensemble. Aujourd'hui, je me semble constater que cette polarité vers les externes, vers les extrêmes, pardon, pose question dont j'ai pas forcément la réponse. Je pense que le raisonnement de fonctionner en constellation de citoyens, et je pense que Philippe, encore une fois, pourrait vous en parler mieux que moi, et c'est ce qu'il essaie de faire à l'échelon au-delà du périmètre d'une commune, c'est d'essayer de se dire, est-ce qu'on peut non pas s'affranchir des partis politiques, mais s'affranchir du schéma interne aux partis politiques qui fait monter pas forcément les meilleurs d'entre eux. Ça, c'est sûr. Ça... pour prendre des décisions à des... Moi, je suis pas maçon, je suis désolé. Mais pyramidalement parlant, on fait monter pas forcément les meilleurs. Les militants sont peut-être des personnes intéressantes, mais quelque part, les stratèges montent. Les stratèges sont pas forcément les plus compétents. Est-ce que dans ces modèles-là, on peut pas imaginer qu'un jour, la société se structure autour de formes naturellement pyramidales, mais un peu plus démocratiques en tout cas, un peu moins apparatchiques, et qui, quelque part, donnerait à nouveau confiance, et me donnerait confiance dans les partis politiques. Peut-être un jour, je rentrerai dans un parti politique, à condition qu'il évolue sous une forme comme ça, où le citoyen, lui, a sa place aussi dans le parti politique. Est-ce qu'on peut exclure d'un côté les partis, les citoyens de l'autre, en disant les citoyens élisent les maires sont dans des partis, les partis viennent dire aux maires comment il faut travailler sur un territoire. Le territoire, c'est ce que je disais, est superposé entre les projets, les gens, ils ont les crottes de chiens, ils ont les arbres, enfin, je veux dire... C'est ça la vie des gens, les impôts, comment on fait, etc. Et le parti politique qui viendrait asseoir une espèce de légitimité électorale, électoraliste, en pensant à demain. Non, moi aujourd'hui je pense à maintenant, à lundi matin, qu'est-ce que je vais faire lundi matin. Je ne suis pas très intéressé par les prochaines élections. J'avoue que le non-cumul des mandats ne me gêne pas. Je ne pense pas du tout à autre chose qu'à la semaine prochaine. On est sous tutelle à Juvignac. On a vécu avec un système de personnes qui, par des partis politiques, ont mangé sur la bête. À Juvignac, on est sous tutelle parce que quelques personnes privilégiées ont fait exactement le contraire de la charte anticorps, et ça a été un des éléments de ma motivation à la signer. Voilà. Et c'est clair, vous abordez une question intéressante sur les partis politiques. Je pense qu'effectivement, les repères déontologiques doivent s'appliquer aux élus, mais souvent on montre du doigt que les élus, mais il n'y a pas que en cause, hein. Il faut aussi penser aux fonctionnaires, aux candidats, parce que même dans le cadre d'une campagne électorale, il y a des choses qu'on peut faire, d'autres choses qu'on ne peut pas faire. Et il faut clairement que les militants dans les partis politiques aussi, je pense, respectent certaines règles déontologiques. Moi, je suis toujours étonné quand je vois certaines investitures à des candidats... mis en examen, voire condamnés, qui sont investis, réinvestis, recyclés. Par exemple, Éric Woerth, c'est une aberration complète. Éric Woerth a été longuement ovationné, nous dit-on, à l'UMP, non pas parce qu'il est innocent, parce que tout le monde sait qu'il n'allait pas prendre le thé chez Bettencourt. Il a été ovationné parce qu'il ne s'est pas fait prendre. Enfin, je veux dire, on en est là. Il est aujourd'hui dans l'organigramme numéro 3 du parti, ce qui montre ce que vous dites, c'est qu'on ne fait pas monter les meilleurs et parfois même on fait monter les pires, parce que je ne pense pas que l'ensemble des militants de l'UMP soient heureux que Éric Woerth soit numéro 3 du parti. Je vous remercie de votre magnifique témoignage et puis...